Souvenir d'enfance. J'approchais de mes 6 ans et j'allais à l'école dans la classe enfantine que dirigeait Mademoiselle Guimard. Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache brune, et quand elle parlait, son nez remuait. Pourtant, je la trouvais laide, parce qu'elle était jaune comme un chinois, et qu'elle avait de gros yeux bombés. Elle apprenait patiemment leurs lettres à mes petits camarades, mais elle ne s'occupait pas de moi, parce que je lisais couramment, ce qu'elle considérait comme une inconvenance préméditée de la part de mon père. En revanche, pendant les leçons de chant, elle disait, devant toute la classe, que je chantais faux et qu'il valait mieux me taire, ce que je faisais volontiers. Pendant que la marmaille s'époumonait à suivre sa baguette, je restais muet, paisible, souriant, les yeux fermés. Je me racontais des histoires. Et je me promenais au bord de l'étang du parc Borély, qui est une sorte de parc de Saint-Cloud, au bout du Prado de Marseille.